Bonsoir et bienvenue sur plateforme Haïti Éducation et encore une fois, et je vous dis à ce dimanche 10 avril 2022, nous avons parti pour l'autre présentation, deuxième présentation non pour moi avril. Je vous dis à un sujet assez intéressant et assez souvent sur plateforme Haïti Éducation, dans d'autres présentations, que ce soit ça gain pour avec économie. Éducation, politique, n'importe ça lié, hein, nous toujours assurer nous que nous martelons ça et que première ressource un pays gagne, et ceci n'importe qui pays, hein, c'est monde. Et pour valoriser ressource ça, pour le valoriser toute l'autre forme ressource pour, premier bagaille là, kabinzou bouchou, c'est éducation. Assez souvent, nous avons pile réflexion sur question système et l'école en Haïti. Mais vraiment en pile réflexion et de côté commencer par langue passer sous pédagogie tomber sous curriculum yo passer l'activité qu'a fait yo tomber dans budget yo tomber dans structure système non même la réalité institutionnelle li et bien et réflexion yo pas manquer évidemment et nous ta capable peut-être mettre en phase sur certains aspects jodi hein de désert infrastructure scolaire dans le pays en passant par tout l'autre problème mais n'a quitté li et à discrétion présentateur nous aujourd'hui hein qui et nous ta remet et que nous apprécier point de vue ça puisque son éducateur qui en dedans système dans lui-même même capable faire remise en question hein et à partir de expérience li compréhension li étude li et surtout j'en nous toujours et encourager li sous plateforme Haïti Éducation évidemment la pour nous tout réflexion sous question hein, pour ouais qui gens ça capable marcher ou l'autre gens et présentateur nous aujourd'hui hein li sorti côté le conchital passé dans l'autre bois et c'est un monde qui toujours avec nous régulièrement depuis le commencé jusqu'à aujourd'hui hein. C'est un monde qui est assez actif. Et ce n'est pas toujours dans des conditions faciles qu'il y a avec nous. Et en plus que là avec nous, mais il fait le devoir, il y a deux bagages qu'il fait pour émission passée, pour présentation que fait sur Haïti Éducation. Non seulement lui-même tout, il a accommodé le passé, il reprend l'émission radio diffusée qu'il gagne, on a parlé de ça tout à l'heure, et lui tout mène des fois, ça va dépendre du sujet qu'on mène particulièrement des jeunes, des adultes tout, mais des jeunes tout en particulier, pour venir prendre et information qu'a partagé sur plateforme. Nous voulons parler de M. Walden Germain et qui lui-même fait et 3 ans d'études d'école normale, lui étudie tout sciences éducation dans et CREFI
qui c'est une université qui enseigne sciences de l'éducation tout. Il fait 4 ans pour étudier droit et il commence un DESS qui sont diplômes d'études supérieures et spécialisés et dans système éducation et dans système éducation là et Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Il enseigne français avec éducation à la citoyenneté et il était connaissé tout méthodologie rédaction rapport stage et français avec didactique des disciplines dans l'école normale. Parallèlement son monde qui est assez actif et nous tendez mot ça souvent sous groupe là n'a parlé de groupe Agapé et bien présentateur aujourd'hui hein, c'est bel et bien directeur Agapé en Haïti particulièrement dans le département de la Grandance. Et lycée président Centre de recherche et de formation en éducation qui s'est créé. Lycée président formation Georges Séraphin Père. Et enfin, lycée animateur émission L'éducation en Haïti qui diffusait chaque dimanche sur Radio Lambi à midi, de midi à 2h. Et l'ITOU, c'est animateur Club Débat dans Jérémy. Nous voulons parler de Walden Germain, que nous avons salué, que nous avons demandé pour nous mieux tête li. Et n'a dit bienvenue aujourd'hui et me supposer ça doit faire un étrange sensation parce que là avec nous depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui a changé boa et c'est salié merci bienvenue sur plateforme là jouette pour vous. Et puis nous souhaiter que vu quantité variété et éducateur nous connaît qui gagne sur plateforme là nous souhaiter que débat très riche et très animé merci pour présence nous Monsieur Walden Germain, bonsoir, espace à vous. Merci, bonsoir, ingénieur Bozil. Bonsoir tout le monde qui est sur la plateforme Haïti Education. Je suis content aujourd'hui. Je suis toujours content, c'est un plaisir pour nous sur la plateforme pour suivre une série de conférences. Mais aujourd'hui, je suis plus content toujours parce que Jean-Ingénieur dit là, je prends l'autre bord pour moi jouer le rôle de conférencier après-midi. Mais après-midi, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui c'est la réalité de l'école haïtienne. Et là, nous avons un sujet qui est extrêmement vaste, mais nous allons essayer de se construire sur le plan pédagogique, politique, et nous allons fouler un peu le plan philosophique. Et nous allons faire le suivant type plan ça, nous allons ouais qui ça qui finalité éducation haïtienne là n'a présenté tout organigramme système éducatif haïtien brièvement nous pour aller histoire et éducation dans pays d'Haïti nous obligé faire li parce que si nous voulons dans quelque soit payant mieux bien comprendre présent et puis font bon projection sur l'avenir les bon pour focus sur le passé hein et comment on éminent auteur communiste d'Ili, un pays qui ignore les racines n'est pas capable de développer branche dans l'avenir. Donc c'est peut-être ça nous fait devoir dans la présentation ça pour nous parler brièvement de histoire éducation dans pays d'Haïti. Et là tout nous va et réforme Claude Bernard et puis cadre légal avant nous tomber dans problème système éducatif là a fait face à clé que nous ouais qui numéro là nous va parler de. Donc, on a commencé par le premier point qui c'est les finalités de l'éducation haïtienne. Finalité d'éducation dans le pays d'Haïti. Maintenant, si nous parlons de finalité, hein, l'important pour nous font tirer aller sous fondement philosophique même éducation de manière générale. Et les nous dit fondement philosophique, nous c'est une réflexion critique qui fait sous divers problèmes que l'éducation a posé. Et ensemble de fondements et activités tout qui relative nous capable dit à éducation le ça nous ouais c'est jugement de l'homme à partir de une série de décisions qui juste et objective qui pourrait rendre les hommes sages et en dans fondement philosophique éducation nous gain deux autres sous fondements qui c'est un fondement théorique avec un fondement logique. Donc, nous pas parler trop, nous pas parler de fondement théorique là, on a focus sur fondement logique là qui a un rapport à ça n'a dit. Fondement logique là fait comprendre que yo pas éduquer un petit monde pour éduquer,
mais yo éduquer dans objectif pour atteindre un résultat. Et c'est là importance finalité éducation quel que soit pays qui sur planète Terre. Maintenant qu'on y a nous-mêmes dans pays d'Haïti, qui ça qui finalité éducation parle, à qui ça ça attend éducation non? Et puis à qui résultat nous voulons aboutir. Dans page 5 guide pratique d'administration scolaire GPAS, yo résumé finalité éducation haïtienne pour nous comme ça. Vous devez comprendre que finalité éducation haïtienne en fait il vise un investissement qui planifié, qui orienté, qui rentable, un instrument développement national. Donc permettez-moi de rester un peu sur planifier, hein, sur rentabilité. Hein. Mais nous dit planifier, n'a comprendre bien c'est un projet ou chita qui d'abord vini par une idée et puis réfléchir sur lui, nous écrit, nous entendre nous sur lui avant de passer dans la phase pilote là. Mais de très souvent dans la réalité, hein, ou bien comme prétention que en pile bagaille à faire dans l'éducation, c'est pas bagaille qui trop planifié pour ne pas être planifié du tout. Dans le pays, pas non. Et on dit tout son investissement qui est rentable. Rentabilité à nous capables sur le plan humain, nous capables tout sur le plan économique, sur le plan intellectuel. Intellectuel, nous rentable parce que Timouna pour faire acquisition de série de connaissances qui va l'utiliser dans la ville. Rentabilité, hein, les nous dit économique là, il va permettre de faire l'argent en fait. Et ça vise tout un développement national. Développement national, développement nation, développement monde qui vit dans le pays. C'est un processus global harmonieux de formation humaine qui considère tout aspect personnalité. Et qui aspect, vous voyez, nous gagnons santé, caractère, savoir, habileté manuelle, expression corporelle, sens social, c'est pas science, c'est sens social, moral, physique, initiation à la culture et à l'art. Ça veut dire que l'éducation, si nous avons recevoir, doit permettre l'effet corps avec qui il est. Même si il est en contact avec l'autre culture, mais en fait, ça n'a pas obligé de mettre en situation pour la victime ou bien pour l'accepter en fait, acculturation. Il faut qu'il fait corps avec culture pâle. L'éducation haïtienne, non, il vise tout à la formation économique, sociale, culturelle de l'homme haïtien et à l'amélioration de la qualité de la vie. Qui donc, il y a un monde qui est formé dans le système d'éducation pâle, ta doué gon indépendance économique. Ta doué capable d'intégrer la société. La société a ta doué accepter li et ta doué travail pour développement société. Ce monde tout qui ancre des couleurs locales, des cultures, tout ça qui a rapport à pays li. Yon moun la ville améliorée qui capable, Jean Docteur Tadieu, Charles Tadieu Remendili, réaliser projet vie personnelle. Éducation haïtienne, non, les visées connaissances, habileté, motivation, que Timoun yo ka formé là dans li, lui acquérir de manière pragmatique, qui capable appliquer, qui capable pratiquer. Donc, mais que gens nous joignent finalité éducation haïtienne, non, résumé, non, guide pratique administration scolaire là. Mais là, nous n'a point partager avec nous un extrait. Qui c'est ce programme détaillé ministère utilisé bah qui vient pour programme notion programme de base là dans l'objectif yo qui était fait en fait sur BDP sur réforme Claude Bernard. Organigramme système là nous joignons encore dans programme détaillé hein? Et n'a pas en bas pour nous monter nous en bas net,
éducation préscolaire, préscolaire. Et là, nous sommes capables de dire carrément que l'État haïtien va être non menti, parce que lui-même personnellement, il n'a pas focus sur la formation préscolaire. Et ça fait pas gagner préscolaire dans l'école de l'État. Il y a un directeur ou une directrice d'école publique qui mettait préscolaire dans l'école, il pas mettait parce que l'État a le moyen, parce que l'État permet, il mettait parce que lui-même il décidait offrir service en fonction d'un besoin, l'utiliser moyen du bord pour les faire. Mais l'État pas focus sur formation préscolaire. On a monté dans première année fondamentale, deuxième année fondamentale, sixième année fondamentale. Et lorsque dans sixième année fondamentale, sont fait à gauche, ou aller là, ou aller en éducation non formelle, et laisse ça ou virer là, ou dans formation professionnelle des jeunes, centre spécialisé, ou monter Piro, même Maraïla. Lorsque on tourne à gauche, ou pour 7e, 8e, 9e année, qui c'est 3e cycle, ou là, ou est technique, formation technique avec formation professionnelle. Donc là, c'est mon nom à orienter. Ou monter plus haut, ou est lycée technique, ça veut dire dans secondaire, et premier retour et puis terminal. Et là, ou est école professionnelle, deuxième degré, premier, deuxième, troisième. Jusqu'à ce que ou arriver dans emploi. Maintenant sous fond tourner à gauche là ti moun nan li choisi pa aller dans l'école professionnelle là dans 7e 8e 9e année fondamentale et puis il traverser dans seconde dans retour dans terminale ou bien le saut dans 9e li gen le choix li virer un peu à gauche là dans première année école normale deuxième année école normale troisième année école normale jusqu'à ce que li fini pour li al travail. Donc c'est comme ça qu'il y a avant pour mon à l'école normale il suffit qu'on fait 9e année et yo te ballon non brevet longtemps et jusqu'à présent dans système là nous wè moun sa. Maintenant histoire éducation haïtienne avec question inégalité des chances, ni mélanger et nous pral wè c'est depuis la création état pays d'Haïti depuis bien longtemps question inégalité des chances la fait chemin li et jusqu'à présent aujourd'hui on ti moun yo victime de li. Et pour nous parler de li, nous pral wè sous quatre périodes. N'a pas visé quatre périodes, yon période coloniale, yon période post-indépendance, yon période occupation américaine et puis yon période après occupation américaine. Première période là, li aller jusqu'à l'indépendance. Avant tout c'est l'ouverture esclave là ak ti moun yo pas gen droit pour gen éducation. Donc ça veut dire il était formellement interdit pour apprendre yo li ak ekri. Mais yo te ba yon éducation religieuse nan objectif pour te contraindre yo accepter, admettre condition yo te plié yo là-dedans là. Période colombienne en 1492 avec Christophe Colomb, Haïti te fait partie américain sous nom Saint-Domingue. Et Saint-Domingue te attire européen yo par richesse agricole li, yo minière climatique et touristique. Et habitants qui te dans Saint-Domingue yo laisse ça, yo te obligé soumettre yo à l'état asservissement esclavage que yo te imposé yo. Et là encore, éducation an, yo pas de parler de ça. Mais premier évêque là qui c'est Ramirez de Fuente va faire une école par diocèse et l'école ça c'est pas pour tout le monde, il était réservé surtout pour monde pour petite premier envahisseur avec petite cacique. On a rappelé que tu as 5 cacique et chaque cacique est dirigé par un cacique. Donc là nous te ouais c'était exclusion de la majorité des enfants. D'où on est capable de parler de questions d'inégalité des chances scolaires. Premier habitant, ça y est, ils viennent presque tous disparaître. Maintenant, il faut que vous te remplacez pour continuer le travail la terre dans Saint-Domingue, dans la colonie, pour
colon yo capable enrichir yo. Et là encore yo fait noir yo soutien Afrique yo pas parler d'éducation pour yo parce que philosophie colon hein, c'était garder esclave là en dehors de tout champ de l'éducation qui était considéré comme un élément perturbateur du système esclavagiste. Et docteur Charles Tardieu lui expliquait lui dans livre il écrit l'éducation haïtienne de 1804 à nos jours, il dit que raison qui fait éducation formelle est presque inexistant dans période ça, c'est parce que colonie c'est parce que dans période ça dans colonie Saint-Domingue c'est parce que grand colon yo t'a enrichi Saint-Domingue pour jouir richesse dans métropole là. Et littéral famille colon ça yo yo t'établi yo de façon permanente dans colonie. De plus, il dit l'air colonien était plutôt propice à ça le libertinage et non à des écoles. Et si l'école yo à l'université yo adressé yo en relique de bourgeois, de nobles et de riches, si classe ça yo pas résidé à Saint-Domingue, donc il était illogique même que tu penser à éventuelle création de telle institution dans colonie. Éducation religieuse yo te bay esclave yo c'était une forme de pouvoir de violence symbolique que te fait à eux-mêmes parce que yo te kon fait suivant et sa code noir l'ante dit 1625 là yo te autorisé aumônier yo venir pour enseigner esclave yo religion dans objectif pour te endoctriner yo fait yo accepter situation à vivre là-dedans là c'est faciliter à faciliter adhésion au système là pour accepter faire quoi résilier yo prendre ton prend habitude habitation noté appelé pour travailler sur lui des conformes d'éducation tout était offert au profit de colon yo nous pas comprendre que c'était pour des esclaves non c'était au profit de colon parce que esclaves ont été formés pour être capable de faire fructifier colonie. Et les sortes venus cocher, mon cap pondion, c'est des formes machines qui viennent à cette époque, vétérinaires, infirmiers, maçons, accoucheuses. Et ils ont été formés tous sur l'état des musiciens, des danseurs, des artistes, des peintres. Tout ça, c'était un objectif pour faire accepter le système. Donc, l'éducation de Konbayo, hein, pas favoriser réellement bien-être esclave. Mais, c'était pour te motiver à travail forcé. Malgré tout, esclaves te conforme tête de manière personnelle. Et yo te kon fè en cachette et yo te même raconté que dans période Moyen Âge, il y a quelques esclaves qui t'ont volé le syllabaire du maître et les ont arrivé, yon te commencé à prendre l'autre lit. Et c'est là tout yo considéré comme cause et yo pas tellement parlé dans l'histoire et révolution parce que l'oconni ou une capacité pour réfléchir pour penser vous avez commencé à apprendre li réfléchir penser pour comment il a renversé juste l'esclavagisme vodou en te vin très connu tout yo apprendre li il était très développé et ça qui pour ton succès surtout avec la cérémonie du bois caïman maintenant de tout ça l'ouverture à l'indépendance vin bon nouvelle dynamique pour te créer l'école en colonie et devenir quelque à l'école en Saint-Domingue. Paul Verel te recommandé pour apprendre Timoun yo écrit dans plantation hein Timoun qui gen petite milat noir il était ouvert l'école pour yo et il était installé premier l'école formelle Saint-Domingue qui était travail de mai 1796 à avril 1797 enseignement les ça a été fait en français petite colon a franchi à blanc qui pas ta voyer petit tu étudier la France. C'est eux-mêmes qui ont fréquenté l'école ça. D'où nous capables de parler encore des inégalités des chances scolaires. Philosophie colon, c'était pour mettre en fait un écart entre petit esclave à petit blanc. Et ça fait de mettre l'école là. Parce que petit esclave pas qu'à même gens à petit blanc. Petit blanc faut que supérieur, faut que vous ayez une formation qui pas même formation à petit esclave. Après indépendance, il y a une nécessité pour le gouvernement yo
te concentré yo sou action y a fait pour renforcer capacité contre une éventuelle attaque français yo au lieu yo ta investi yo immédiatement dans question affaire l'école et yo te vinn construit fort par exemple fort Platon dans sud Jacques à Alexandre dans l'ouest que ta pied dans la Tibonique à Citadelle la Ferrière dans nord bien que dans constitution de Saline 1805 là il te prévoit l'école dans 6 divisions militaires pays. Mais ça qui te dominé, c'était défendre liberté ancien esclave. Même si Dessalines qui fait l'école ça yo, tous ces petits monde qui te rendent gros service dans cadre indépendance qui était dans l'école ça yo. Là encore nous comprendre question inégalité des chances scolaires là. Christophe lui-même qui relé au roi bâtisseur des sports éclairés te font paquet de bagaille. Il était développé payant, surtout il était investi dans l'école. Christophe a construit l'école et il était bâti Christophe non inspecteur scolaire. Peut-être qui ça? Parce que Christophe pas contenté de construire l'école, il était qu'on allait tout la superviser pour voir comment l'école a fonctionné. Et c'est là Christophe pourrait construire plus que 10 écoles qui va recevoir 72 000 timons qui étaient dans l'âge pour faire l'école. N'a pas rappelé que sous gouvernement Christophe, l'autre monde parle l'école, Christophe, ses parents ont arrêté pour le compte qui j'en fait dans leur école ou dans la rue. Vite, vite, gon l'école pour riche, yon l'école pour pauvre. Yon l'école pour moun la ville, yon l'école pour moun en dehors. Et Christophe, te même, il vient introduire connaissance dans l'armée qui te gagne pour la grande majorité ancien esclave là-dedans. Quand ta pétition lui-même, politique éducation là te gon caractère élitiste qui cependant contraire à l'article 36 constitution l'été écrit qui te prévoit une école gratis tout le monde capable accéder à lui-même voyez lui-même il t'assemblé veut renforcer structure éducative chef qui était là avant lui te mettre en place et il était même dit par l'éducation l'état apprend en main destin jeunesse là dans l'article 11 constitution là pourtant en réalité c'est pas ça Boyer qui fait d'ailleurs nous connaissons très bien Boyer c'est lui même qui va bâtir ce qu'on appelle la gérontocratie côté pouvoir Boyer c'est vieillard grand monde qui va travailler là-dedans pendant période d'occupation américaine là objectif américain qui était venu occuper là c'était créer un climat et stabilité après tout politique pays a été connu depuis 10 ans. Dans la période tout pays, il y a 7 gouvernements éphémères et 7 ministres passés. Donc ça veut dire que si un ministre a été passé sous pouvoir, il n'y a pas de cagette de mettre un programme en place. Mais le ministre Étienne Guilbeault lui-même, qui pourrait avoir une chance de passer sous toi dans le gouvernement éphémère, il pourrait faire qui choy. Le ministre pourrait mettre un système pour l'enseignement primaire, mission principale. Qui s'est préparé Timounan à la vie sociale. Préparé Timounan pour vivre en société. Et j'en ai dit le talent pour la société accepter, pour intégrer la société, pour le travail, pour le développement de la société, pour comporter, conformer à la norme de la société. Il a réformé l'école avec l'administration scolaire. Il a montré l'importance de l'école dans la société démocratique. Et il a montré montrer ses nécessités pour investir dans l'école au lieu d'investir dans la guerre civile. Les Américains ont été visés pour réformer le système éducatif haïtien d'après le modèle PAI. Et puis, ils ont été tout comme moyen pour assurer le développement économique, la mobilité sociale et la stabilité économique. Mais, le plus gros objectif, en fait, c'était prendre le contrôle de l'établissement scolaire, accaparer le système enseignement haïtien. À l'école haïtienne. Après l'occupation, Sud Active NAB, qui est très expérimenté, qui a 18 années de carrière dans la question de l'éducation, il peut comprendre assez le fonctionnement du système éducatif haïtien pour réfléchir en profondeur sur lui, pour être capable de porter de manière scientifique cohérente l'enseignement haïtien à la réalité du pays. Maintenant, parce que ça, il y a une tendance de démocratisation après l'occupation. Que Dr. Charles Tardieu, dans l'ouvrage Éducation haïtienne et l'éducation à nos jours, il
présenté en deux étapes. Première étape là, les relais dans étape tempérée. Dans étape ça depuis 1946 à 1956, pour avoir une légère augmentation du taux de scolarisation. C'est comme ça qu'il y a 64% de monde dans la ville qui a l'école et puis 17% de monde en dehors qui a l'école. Mais en général, la qualité bas sur le plan national était faite parce que il était réduit seulement à 19,7%. Deuxième étape là, c'est démocratisation violente. Démocratisation violente là, il formait par structure sociale, politique et économique divalier yo te mettre en place pour être capable d'installer kembe régner dictature depuis 30 ans. Donc t'es venu bientôt conjuguer l'autre phénomène sociaux qui pourrait influencer accès à un mouvement l'école en Haïti, par exemple, paysans qui pourraient descendre la ville en masse, urbanisation sauvage, rentrée étrangère autour du développement l'école pays d'Haïti. Malgré tout, il y a l'autre spécialiste, il y a l'autre scientifique, il y a les joints, monsieur fait comprendre que le système d'éducation en pays t'es qu'un bien caractère traditionnel élitiste. T'es qu'un bel. Et il t'es qu'un là dans l'inégalité des chances scolaires. Maintenant, avant de nous tomber dans la réforme Claude Bernard, toujours une série de problèmes qui a persisté. Taux analphabétisme est très élevé. Taux scolarisation est faible. L'école n'a pas adapté à la réalité pays. Donc, il faut que vous repensiez la qualité d'enseignement qui a dispensé dans l'école parce que vous pas même. Chaque école a baillé une formation différente dans un seul pays. Pour un seul pays. Dans les villes provinciales, à milieu rural, la qualité d'enseignement était faible. Pourtant, c'est là, nous jouons une petite soyette, c'est la petite masse peuple. Dans la grande ville à Port-au-Prince, si les gens qui sont classe défavorisée à l'école, frère institution chrétienne, yo, ou bien Kaiser Joseph Clony. Maintenant, face à tout problème, ça, yo, vers la moitié du XXe siècle, les dirigeants pays pour trouver dans l'obligation pour porter une amélioration dans le fonctionnement du système éducatif haïtien. Et c'est là, nous pourrons aboutir à des gros actions pour le poser. Premier, c'est la réforme de 1979, connue sous le nom de la réforme Claude Bernard et le plan national d'éducation et de formation. Dans la frontière sous réforme Claude Bernard, là, pour nous, entre conception et mise en œuvre, comment ça y est, qui ça le prévoit, qui résulte à l'bail, harmonisation entre quatre conceptuels projets avec réforme, non, et puis résultat. Y. D'abord, c'est qui ça, réforme nan yi? Réforme Claude Bernard. Yo dit c'est première grande réforme système éducatif haïtien qu'on est. Mais elle te fait nan objectif pour te faire promotion, développement de la langue créole et de la culture populaire nationale. Donc, puisque qu'on y a là, monsieur, pralvé pour l'école la fête en créole, son façon pour démocratiser enseignement, son façon pour mettre Timounio puis bien apprendre parce que créole là c'est langue maternelle Timounio. Et puis tout l'ipachita tout sous question culture populaire nationale. Ainsi, objectif Claude Bernard, c'est pour divorcer à l'enseignement traditionnel qui est instauré dans le pays depuis l'indépendance là. C'est pour faire base éducation haïtienne là tout jusqu'à que du chita sous là jusqu'à présent n'a pas l'air là. Ainsi, il pourrait le focus sur deux grands axes. Premier axe c'est dans niveau éducatif, deuxième c'est dans niveau politique. Dans niveau éducatif, l'école yo te jugé l'école yo pas adapté trop à la réalité haïtienne là. Il n'est pas capable de faire face à besoin pays en matière de développement économique et social. Et dans le niveau politique,
réforme n'a été supportée par l'agence internationale. Toujours est-il que nous avons toujours besoin en main de l'étranger pour aider nous. Maintenant, qui objectif réforme ça? L'objectif d'abord, c'était mettre l'école fondamentale là en place. Et pour mettre en place, pour être capable de remplacer l'école primaire traditionnelle là avec quatre premières classes officielles secondaires. Et ça fait nous avoir trois cycles fondamentaux. Premier cycle qui a commencé dans la première pour finir dans la quatrième année fondamentale. Deuxième dans la cinquième et sixième année. Et puis troisième cycle, septième à neuvième année fondamentale. L'autre objectif, c'est aider chaque monde pour avenir en main. Et c'est là que vous focus sur l'orientation professionnelle pour permettre que pas de différence entre formation que vous apprenez avec le produit et qu'il est capable de produire. Okay? Donc, si vous avez une possibilité pour apprendre le métier pour le produit, pour faire l'argent tout. Utiliser le créole là comme langue enseignement apprentissage. C'est français LD. Livioté écrit en français. Que Bernard dit, faut enseignement fait dans le créole. Et c'est normal parce que langue, on peut utiliser comme langue d'enseignement apprentissage, il est langue maternelle Simon. Et là, nous dit langue maternelle, ce n'est pas langue maman, papa, m'parle. Maman, papa, m'parle, langue, pas langue maternelle, mais dépendamment de côté à vivre, de côté à évoluer. Tout. Et si on parle plusieurs langues, langue, nous, elle est plus à l'aise là pour l'exprimer, là, c'est langue maternelle. Donc, c'est dans la langue, ça, enseignement apprentissage a dû faire. L'autre objectif, c'est promotion automatique élève. Parce que vous avez considéré les gains échec, c'est un plus gros problème système éducatif. C'est de faire face à lui. Au lieu qu'on y a pas d'échec, si vous passez automatiquement. Changement méthode d'enseignement. Yo. Parce que dans la période, ça, vous avez une bonne méthode d'enseignement que la France a rejetée depuis des temps et puis vous voyez bon nous pour nous appliquer. Comme Bernardine a mis de côté, nous allons venir à une autre méthode d'enseignement qui prend 6 points de chita. Sur la mémorisation, sur le parkourisme, sur répétition, n'a fait un coup Jaco, mais qui pourrait acheter des préférences sur le raisonnement, capacité pour nous penser, pour nous réfléchir, pour faire nous découvrir ça, n'a montré avant de apprendre, avant de mémoriser. Élaboration de notre curriculum, production et distribution de manière scolaire, puisque l'enseignement est fait en français avant. Manuel scolaire, c'est en français, on a fait faute de manuel qui fait en créole. Donc, on a produit, et c'est IPN, Institut Pédagogique National, qui a produit manuel, ça a distribué dans l'école gratuitement. Formation à recyclage enseignant, amélioration inspection et supervision. Maintenant, qui résultat ça a eu, réforme de Bernard? D'après recherche nous fait c'est que pas aucun document officiel qui écrit qui dit mais qui résultat le bail. Mais il y a un peu chercheur scientifique qui travaille sur et meilleur travail qui fait lancer étude de Michel Saint-Germain qui fait dans problématique linguistique en Haïti réforme éducative quelques constats. Côté lui montrer que bon série de données analytiques qui plus éclairante qui plus documentée quant à la question de langue d'enseignement, notamment qui vient attrait à l'aménagement du créole dans le système éducatif national. Et Saint-Germain montre que l'utilisation créole dans l'enseignement est enfin reconnue le 18 septembre 1973 par une loi qui a autorisé l'usage créole là, etc. Donc, il reconnaît créole là, non seulement c'est langue d'enseignement, mais c'est également langue enseignée tout au long de l'école fondamentale là. Kounia, créole là, il a enseigné en créole, il a fait pour créole tout pour tout le monde. Mais il a pas mettre français à internet, français a pas enseigné au niveau fondamental, mais il pral vin langue d'enseignement à partir de la sixième année. Donc c'était ça réforme que Bernard te prévoit
nan kesyon lang nan. Men yo di se ton volè, te gen anpil lòt aspè, men se sa ou te plus priorize. François Pierre Enoch écrit un livre politique éducative et inégalité des chances en Haïti. Il montre nous que la réforme de Bernard est une réforme qui échoue. Il explique dit après la principalisation de la langue créole comme langue d'enseignement et apprentissage, il y a quelques principes qui étaient appliqués à moitié. Il y a qui pas même arrivé tester. Qui ne pas même des chances de commencer à piloter. Et M. continue pour dire que au lieu que l'État a aidé à appliquer le programme dans l'école, au contraire, l'État a contribué dans le dysfonctionnement. Avec une série d'actions indécis de la part des responsables de l'État, où vient joindre une certaine incohérence, contradiction politique éducative qui pourrait mettre fin à l'application du programme. Non, non seulement pourrait mettre fin à l'application du programme, tout, qui pourrait mettre fin à l'Institut pédagogique national. Qui était responsable élaboration manuel scolaire yo formation à recyclage enseignant yo à inspecteur yo il était recevoir tout ça il était responsable tout ça yo vinn camper même nouvel organigramme là n'était présenté au départ pas arrivé respecter gens était prévoir là non plus mais tu gain plus jeune qui était gain accès à formation mais malgré ça yo dit ça pas réduit inégalité sociale la question éducation cadre légal et nous pas prêter sous les trois mais n'a souligné pour depuis constitution Toussaint Louverture là à constitution qui a amendé hein monsieur a parlé de démocratisation de l'enseignement de gratuité de l'enseignement d'accessibilité à l'enseignement mais de là ça aujourd'hui hein yo poko ka atterri toujours à tel point que bon côté dans constitution yo dit que donc sur le cadre légal en version amendée il commence dans l'article 32 pour arriver dans 34.1 yo dit que faut l'état garantit bon conditions pour l'école la fête mais pas aucun loi qui écrit encore pour montrer pour définir question des bonnes conditions pas aucun loi sur ça. Maintenant, qui problème système a fait face à lui, journée aujourd'hui? C'est question faiblesse l'État. De nous dit faiblesse l'État, c'est pas seulement sur le plan éducatif, hein, mais puisque nous avons éducation, nous avons éducation. L'État n'a pas de moyens pour financer les livres. Les livres pas subventionnés encore. Et même les livres qui sont subventionnés, m'a tout dit ça c'était pour la forme si moun yo pa konn bénéficier pour la grande majorité des subventions pour qui ça c'est konn dou le gros problème dans quantité livre l'état te konn subventionné le par exemple l'état dit ou la baye 25 livres dans l'école ou l'école la gen senti moun ki besoin livre là ça passe éditeur là fait livre là livre ni meilleur bénéficiaire dans qu'on y a c'est éditeur là c'est libraire yo bouquiniste yo parce que yo acheter livre là pour revendre à parents à timoun yo puisque qu'on y a là vinn bon raté quantité a li pas suffi en économie depuis gen raté pour augmentation du prix li va vinn cher donc yo parents yo acheter des fois deux fois l'argent ou t'a dû acheter. Nous venons face à un système à double vitesse. Yon bord gen ti moun kap mal formé, yon lòt bord gen ti moun kap trop bien formé. Ti moun nan mas nord, ti moun nan lycée français, ti moun Canada pou m site sa ou seulement, pa recevoir même formation à ti moun ki nan l'école l'état. À kont ti moun ki nan l'école en dehors, ki nan l'école province. Donc l'école là n'est pas vraiment nationale. Ou absence de politique éducative tout. Le nous dit absence de politique éducative, c'est absence de politique éducative durable et adaptée à réel haïtien. À ça haïtien vivre à réalité. À ça qui en bas jeti moun yo quotidiennement.
acculture nous à ça nous donne les couleurs locales. Au contraire, nos victimes, jeunes, victimes d'acculturation, jeunes intéressés beaucoup plus à sa capacité à l'extérieur. Ils n'ont pas qu'une histoire pays. Docteur Samuel Pierre, non qu'on t'a pas animé pour nous dans l'histoire. Monsieur t'avait expliqué, nous lui dit, au Québec, chaque station de radio, il y a pour passer 70% musique artistes québécois produits. Et là, il n'y a pas à faire, c'est pas un monde qui peut acheter dans les oreilles, effectivement, il dit, non. Automatiquement, il y a un appareil qui a contrôlé, test station de radio, passer 31 morceaux de musique étrangers qui n'ont pas un rapport pour avec la musique québécois et laisser sanctionner la radio. Pourtant, dans le pays, pas ne pas comme ça. Station radio passe musique, vous voulez, l'air, vous voulez, vous comprenez? Et parfois, même des morceaux indécents, très indécents. L'école publique, pas modèle. Curriculum, yo yo désuet, yo ancien, yo caduc. Go inadéquation entre formation ti moun ak recevoir réalité comme haïtien. Nous dépendons de l'étranger. Donc puisque tout ba ça reproduit, l'état pas ka jouer rôle régulateur li parce que yo di nemo dat code non abet, ça m'ba gen m'ba ka bay li. Aspect physique l'école yo. L'état l'école yo ki jan yo construit. En principe, à côté de solidité bâtiment yo, de aération qui doit là-dedans yo, de largeur yo, superficie yo, donc en fait, gon position pour construire, yo pa ka construire. SOS, c'est nord-sud, gon côté tout pour construire. Yon bâtiment scolaire pas ka construit bon marché li pas ka construit voisinage d'une route côté klaxon de machine bi machine après déranger de temps en temps et l'école nou yo depuis qu'il est construit qui est-ce qui construit yo nous sommes ça qui est passé verret yon l'école qui était effondré les romans des directeurs yon gardien d'autorité morale qui est-ce qui était responsable pour construire l'école ça, qui ingénieur était sur lui dit je n'avais pas besoin d'ingénieur. Aujourd'hui, hein, c'est pas n'importe ingénieur qui a construit un bâtiment scolaire. Gon l'autre branche dans génie qui c'est construction de bâtiment scolaire. Ça veut dire un ingénieur qui doué qui t'a doué construire en l'école. Donc faut que son ingénieur qui ont spécialité dans construction de bâtiment scolaire. Donc, yon branche spéciale pour l'école. Question de bilinguisme, manière scolaire, yo. Enseignement fait dans deux langues. Priorité en français parce que je dis, manuel yo écrit en français. Même livre créole, nous, yo. Même livre créole, nous, yo. Yo dit, c'est livre créole, yo. Une phrase française, yo mette là, deux petits mots traduits en créole. Or, nous ne pouvons pas répéter, langue, enseignement, après ça, la doué fait, c'est langue maternelle, si nous avons langue, n'est plus à l'aise dans la partie de la exprimer, de la parler. Livio tout, il a écrit en français, nous te dit tout à l'heure, et en pile, pour ne pas dire presque tout, Livio n'a pas fait en Haïti, il n'a pas fait par des Haïtiens. Or, à travers une manière scolaire, ils transmettent toute ton culture. Ça veut dire que ce n'est pas sans raison que jeunes sont victimes d'acculturation, parce que ça y a pas une manière scolaire, là, pas gagné pour la grande majorité avec culture. Nous parlons du système à double vitesse talent, nous pas prêter sur lui. Donc, nous dépendons de l'étranger. Et là, nous dépendons de l'étranger. Si nous prenons un budget national, 65% reposé sur l'étranger. La main qui donne, c'est celle qui dirige. Donc, il y a dirigé et puis il y a fort des impositions. C'est ça que fait aujourd'hui, certificat crypto pas officiel encore.
Canada dit moi-même qu'à Baou, système pas nan bagen, bagen, bagen kat examen officiel. Ou pas kat examen officiel. Yo bon répété, yo bon yon parke, kon ya nou bon pek, nou gen programme nouveau secondaire la kap implémenté nan système nan. Yo programme ki tal expérimenté en Afrique déjà yo échoué avec li, yo pote le ban nou. Et ça font paquet de problèmes parce que, premièrement, son programme qui m'a dit maîtrise davantage matière à enseigner, et pour moi, comme si qui fait première année dans génie, ou bien qui fait fin fait philosophie, il était comme un maximum de mathématiques, balancer mathématiques encore, il n'y a pas qu'à ça encore. Deuxièmement, c'est tout dans l'autre approche. Et pour vous, il n'y a pas de approche, ça, il n'y a pas d'information. Et ça qui fait mal, donc là, on était tenté une formation dans le lycée, non, Alexien, pour vous, sur le programme nouveau secondaire. Là. Pour vous, on s'est demandé, est-ce que Père Diem n'est disponible? Animateur, on seulement dit, il n'y a pas au coin de ça parce qu'il n'y a pas responsable pour ça. Monsieur, on campé formation. Donc, tout ça, son bagage étranger vient de nous, qui fait à l'inverse. Parce que, en principe, c'est moi-même qui dois payer. On moun boule ban formation. Et bien, les ONG a vini, li mette au chita, li bo formation, li bo manje, après le bo l'argent de elle. Et ça fait qu'on y a là, collègues nous yon gâte, yon estime se paye pour yon paye yon, pour yon vin chita pren formation. L'autre bas nouveau secondaire l'an mandi, en pile matériel. Comment m'a fait pour informatique de NS1 à NS4, yon par exemple mette chita de vos ordinateurs. Comment l'école qui a un laboratoire informatique là-dedans? Et même examen à faire par un examen pratique informatique. Pas un laboratoire de langue. Pas un laboratoire chimie. Pas un laboratoire physique. Donc, nous n'avons aucun matériel et puis nous mettons nos programmes comme ça. Intervention étrangère, je vais répéter déjà. Le fait que l'étranger a rentré dans le système là, la bonne l'argent, c'est lui-même qui a dirigé et puis il impose ou obligé à accepter le règlement. Nous avons un problème économique, tout, par ou pas un moyen. Même si, depuis qu'on s'est en 1801, il y a parlé de gratuité de l'enseignement, je dis, il n'y a pas comme ça d'ailleurs, plus fort l'école qui existait dans le pays d'Haïti, c'est l'école privée. C'est l'école privée. Donc ça veut dire, ne teste pas l'école privée. Yo. Si l'école privée a décidé de dire à faire mes portes, l'État n'a pas chaud. En plus, tout le monde a pris la rue par rapport à l'école. Un problème de cadre scolaire, tout problème, ça l'est posé et pour les élèves et pour les enseignants. Distance qui est entre tout le monde, entre résidence tout le monde et l'école. Il y a tout le monde qui parcourt 50 km à l'école quotidiennement. Et le ça, tout le monde est obligé de réveiller 12 jours. Pour arriver à l'école là à l'heure. Donc, l'arrivée à l'école là, il dormit. Et quand double raison fait dormir. Première raison, c'est parce qu'il est trop bonnet. Deuxième raison, c'est parce que Timouna, il marche trop, il fatigué. Il a dormi. Donc, comment vous voulez qu'on y a là pour attendre un rendement considérable de Timouna? Donc, ce qui veut dire. Problème de gestion de proximité, hein, son gros problème qui est lié. Et professeur, tout victime de lui, là, on next, c'est mon Jérémy, madame mon Jérémy, et puis au gros travail d'Am Marie. Pas bon prime d'éloignement. Il n'y a pas bon motocyclette. Et même si vous avez motocyclette, si Kobe a payé, là, bon, nous allons rentrer dans ça, nous pas payer. Parler de l'étroit, nous allons rentrer là-dedans. Il y a un problème pour enseignant, yo. Et il n'y a pas touché un gros salaire. L'un dit un gros salaire, il n'y a pas touché un salaire pour me préciser, qui proportionnel, on a dit, a besoin, yo, qui t'a permis de manger, de faire famille manger, payer l'école pour petit, yo, si tu es malade, à l'hôpital. Bon assurance santé, yon l'hôpital ou Fatma, c'est au cas lié. L'oral ou un médecin, bien des fois qu'on déplace sur Jérémy à l'un médecin au CAI, dans l'hôpital au Fatma. Et puis, il y a deux médecins, c'est pour coïncider
il pas qu'à passer Matissan, il pas qu'à venir. Donc, nous avons une question problème de gestion de proximité, en fait. Et, il y a un monde qui est malade, Jérémy, pour gagner assurance santé, le temps pour évoquer le monde, il y a deux monde qui mourent comme ça, un mourir en Zéclair, un mourir à Bicot. Il y a un monde qui même fouetté un hélicoptère pour lui. Quoi que l'hélicoptère arrive, il y a un monde. Comment pour ici, Jérémy, ou dans le département grand temps, c'est pour l'hôpital, ou payer pour lui, il prend corps pour son droit qu'on gagne, et puis pour mettre l'hôpital à l'IS au CAI. Discontinuité dans la question appareil l'État, discontinuité dans la question éducation, pas de continuité parce que les bandes prennent l'esprit maniga qui est venu à 12 mesures, bien que il y ait un peu là-dedans, un peu dans les réserves sur eux. Il a commencé à appliquer. Il vient pas là encore à Agino Kader remplacer. Ça passe. Agino Kader mettait de côté 12 mesures, il vient avec affaire pas. Mais pour y aller sur Maniga tourner. On l'a continué avec pas Agino Kader. Là pour tourner à 12 mesures. Vous comprenez? Donc problème discontinuité dans appareil l'état dans question éducation sont le problème. Maintenant face à tout problème ça yo, gen l'autre on pas capable dit toujours mais faut nous ba possibilité pour participer ou poser question et venir avec remarque tout des ajouts tout mais face à problème ça yo n'a font petit camper là qui ça nous proposer comme solution ou bien qui perspective et pour moi d'abord c'est à retirer dans système éducation haïtien tout ça qui est étrange, tout ça qui va gagner rien pour être à réalité. Et Jean docteur Roselot avec lui même songer te dit dans conférence sur plateforme là c'est à permettre à ce que ti moun yo apprendre histoire pa yo histoire pa parce que ça au dit des histoires nan de nous comme premier peuple noir indépendant. Yo faut en plus là-dedans, yo faut pour m'bâtir presque tout. C'est un travail pour nous avoir une indépendance économique qui permet nous avoir moyens pour investir dans l'éducation. Le ça n'est pas étranger qui a baou ou qui a décidé, yo pas qu'à imposer ou, yo qu'à suggérer ou, yo qu'à conseiller ou, et yon conseil, yon suggestion, li par l'ordre. C'est un élaborer une bonne politique éducative qui a défini toute action à poser. Que ce soit à court, à long, à moyen terme, qui vous permet nous aboutir à l'homme nous voulons former dans 20-30 ans. Fait créole là, l'enseignement, apprentissage nous. Investir plus dans l'éducation, parce que le budget éducation est trop bas. Et malgré tout ça, pour l'éducation, ce n'est pas tout le monde qui sont dans l'école, qui joue, ce n'est pas le professeur. C'est gros palto en l'air yo, l'air yo prend les bagages puis l'air le sirive en bas et poussi à faire descendre. Johnny Kagwa sot fèl récemment, Nicolas Kagwa prend tout petit ressource yo te gen, yo investi dans l'éducation. Non, puis gars comprendre c'est sot yo sot c'est gars regarder, non. Ça yo fait là, c'est tant qu'on oiseau pour aller voler. Les oiseaux a voler ça le fait avant, di baisser et puis pour prendre élan, di voler. Et bien c'est ça Nicolas Kagwa fait là. Donc, il faut investir plus en éducation. Augmenter ça, les enseignants, il y a des avantages sociaux pour une éloignement pour ça qu'on travaille loin. Mettre l'hôpital, assurance santé, faire permettre de bénéficier facilement. Doter l'école de matériel, il y a besoin pour le travail. Tenir compte des timons. L'école aujourd'hui, il n'y a pas qu'à faire. En bas béton non cas qui vient détruire ta sous lit qui peut construire en dehors de tout plan parasismique ça va tenir compte de tout et m'a fini avec ça utiliser compatriote cadre nous yo qui dans pays étranger yo ça nous désigner sous nom péjoratif diaspora yo pour aider nous camper jam. Et nous avons utilisé sur deux plans, le plan économique, le plan intellectuel,
D'ailleurs, étude montre li son constat plus fort cadre nous qui prend bon gens formation vrai, yo pas vivre dans pays d'Haïti, d'arriver à l'étranger. Maintenant pour qui ça nous pas prend yo? Même si c'est à distance, j'ai été éducation a fait des conférences en ligne sur plateforme ni pour ça ne pas faire conférence professeur. Vous n'avez pas fait cours ou dans l'université, un programme master. Pour ça, ingénieur Bozil, pas qu'à animer un séminaire pour ce mathématique dans la grande danse. Mais l'État fait de manière formelle. C'est vraiment qu'on est là, bien désir, là, bien volonté. Il faut que l'État intéressé fait. Il faut que l'État ait un bon plan pour ça. Sur le plan économique, pour qui ça, on est capable de dire diaspora ou pas qu'à 11e département. 11e département qui a payé taxes. Et taxes à payer, elle a augmenté l'assiette fiscale. Pays a permis de jeunes moyens pour investir dans l'éducation, dans notre service social. Donc, c'est là, ma prête, merci pour écouter nous. Vous pouvez pour questions, suggestions, remarques. Merci, Waldend. C'est vraiment une radiographie et une bonne visite. En tout cas, et souffler, n'a bon petit temps. Pour bon petit de l'eau souffler, parce que nous avons une question déjà, Captain nous, et éventuellement tout commentaire. N'a dit tout le monde qui visite nous sur la plateforme pour la première fois, question de gestion de temps, plateforme dans tout. Et il est préférable que nous écrivions question en fonction de chat en bas, et le ça, n'a posé yo. La même formulation écrite là et dans l'autre que vous venez joindre. Donc, Walden, est-ce que vous avez pris... OK. Voilà. Donc, n'a dit tout le monde, dans l'intervalle, et écrit question, yo, et, ou bien commentaire, yo, et puis, et, au retour, n'a fait... et passer à interaction hein, sur ça qui parler aujourd'hui qui sont sujets assez intéressants avec une présentation tout qui est assez riche et assez intéressant. À tout de suite. Pour qui yo pa pran pwan yo koul pa bon yo di se c'est pas vrai, moi quoi, yo vle yon bagay. Non gagne. Pour qui c'est yo kap dirige? Pour qui ap mache sou dignité? L'origine gade li le litan. On fwa bébé. Chaudière prête pas bris ou à sèche. Sans gaz allumette, pas du même bobèche. En aller n'a fait la salle de rien. Pour piter la fière de nos demain. Pour nous lever de la nation. C'est nous-mêmes qui comprenons décision. En nous montrant que Haïti, c'est mon bagage. See you.
Après tant de conférenciers. Hein? Voilà. OK. Ou quand on mute tête, professeur Waldend, on mute tout, et puis, ou parler pour question. Oui, oui. Pourquoi on essaie qu'on sa plateforme naïe, c'est question sans merci. Nous avançons avec la première question, hein, participant, et les rachets questions tout l'embauche tout tout, c'est un participant soumeni, Lidi ou, et qui sont pensés de concordat 1860 entre Haïti et l'Église catholique, là, qui sont un moment fort quand même dans la décision que tu as pris dans le système éducatif. Là. Reste commentaire ça, tellement flou à question. Hein. Mais question participant, qui sont pensés de concordat 1860 entre Haïti et l'Église catholique? En fait, c'était un moment. Nous avons besoin de coup de main. Mais en fait, c'est que ça que nous avons fait, c'est que l'Église catholique, elle vient de coup de main, certes, mais elle vient de certaines emprises. Elle vient de certaines emprises sur le système. Et soit sur qu'on y a là, l'Église, l'autre dit l'Église catholique, l'Église, c'est un chef, son autorité. C'est comme si l'État pas trop gagné. Contrôle, formation et l'Église catholique a fait, hein, bien que l'État, j'aime dire l'État, n'est pas modèle, l'école n'est pas modèle, il n'est pas qu'à jouer rôle régulateur. Là. Donc, dans le moment, il y a eu besoin, mais l'Église catholique vient imposer, il n'y a pas de contrôle, li, et c'est là mon mauvais côté. Hein. OK. Merci. Prochaine question. Participant à Mandeo, qui ça d'après vous qui t'est motivé ferme école? J'ai l'impression que c'est ton pratique. En dehors des villes, tu as ferme école. Donc, qui ça qui t'est motivé ferme école? Yo? Et comment d'après vous, tu t'es adapté avec la réalité haïtienne? C'est surtout dans l'école normale, tu t'es
gen cours pratique sur agriculture avec étudiants yo. Et cours ça pas comprend seulement pour yo même, faut après yo t'a réinvesti à l'apprendre dans l'école yo. Et c'est là yo venir avec idée pour faire fermer l'école yo. Donc c'est montrer ti moun yo et travailler la terre, montrer ti moun yo produit, montrer ti moun yo faire agriculture. Parce que l'on parle de planter, c'est agriculture, il faut toujours comprendre ces bagages, mon ami. Non, c'est pas ça, en fait. Pour manger, c'est notre terre à sortir. Donc, c'était apprendre si mon yo travaille la terre, apprendre si mon yo planter, apprendre si mon yo et faire agriculture. Et comme moi, j'ai une question qui collait à ça, on a excusé tout le monde qui posait question, pour ne pas retourner sur le même sujet. Hein? Et gagne un monde qui m'a dit est-ce que ferme école yo toujours existé et est-ce que toujours gagne inspecteur scolaire et inspecteur scolaire gagne inspecteur par exemple dans Grand-Anse nous gagne et inspecteur principal qui gagne plusieurs districts sous contrôle yo et en bas yo gagne inspecteur l'inspecteur de zone mais gagne pour faire l'école, je me rappelle, dame Marité Gagnon, même pas quoi, je ne vais pas dire non totalement, même pas trop quoi qui existe encore. Très bien. Prochaine question, hein? Participant dit où, et autrefois, Jean te dit là, l'État te qu'on exige par an pour voyer Timounio l'école. Cependant, et journée aujourd'hui, pendant que l'État n'a pas investi encore dans l'école, nous constater qu'un pile timon a fait manifestation pour demander l'État l'école. Qui lecture de situation ça? Oula? Oui, oui. Et Timonio, c'est est-ce que c'est l'école qui a demandé l'État? Ou bien est-ce que c'est moi qui a demandé l'État professeur? Ou bien est-ce que c'est mandat de l'État pour créer une situation qui propice pour aller à l'école? Parce que en fait, journée aujourd'hui, c'est bien pile l'école, même si entre les guillemets, on sait de l'école après l'école Bolette, et que l'école Bolette, que pas l'école Bolette, son service que apprend l'État parce que l'État pas en mesure pour voir tout le monde à l'école. Donc manifester, tout le monde a manifesté. Nous pas trop pressé manifester pour demander l'État faire l'école pour eux. Nous plus pressé manifester pour demander l'État, bah au professeur, pour demander l'État créer une situation qui propice pour à l'école et probablement tout dépendamment de zone que tu m'ouvres hier, c'est à pour demander l'État l'école qui plus près. Très bien. Prochaine question, hein, et participant Mandeo, si demain l'État haïtien décide d'enseigner Timounio réalité, yo, réalité pays, yo, est-ce que vous pensez que nous avons assez de matériel didactique et pédagogique pour ça? Je dis non, mais si l'État fait ça, je te dis que c'est un bagage qui est planifié. Donc l'État n'a pas levé jodi an yon bon 4 matin pour dire et nous pral font enseignement qui basé sur réalité timoun yo. Voilà, donc laisser un bagage pral planifier non seulement li pral écrit sur papier son projet et puis yo pral wè ki différentes actions à poser pour yo atteindre projet an. Pour yo matérialiser projet an. Pour yo rive et en fait faire projet ça en réalité. Et c'est là ça tout pour aller ouais qui matériel qui a besoin qui matériel didactique qui matériel pédagogique et puis pour aller à la recherche de matériel ça mettre disponible avant de commencer d'abord dire vrai phase pilote projet. Très bien. Prochaine question hein, et participant Mandeo, pour qui ça yo fait ti mon en Haïti au passé 13 ans de scolarisation au lieu de 12 ans Jean Sayé dans l'autre pays. Bon, et pays yo gen réalité pa yo, et en Haïti nous gen réalité pan. Et yon nan bagay pou nou konprann, lò même que ti moun yo tout passé 13 l'année, ou vin konprann,
si moun yo rive nan niveau avec faille quand même. Si moun yo rive avec faille, c'est comme ça système nan fait, li ta mieux que réduit li. Mais malgré ou fait tout temps ça, si moun nan fait 13 ans sous man l'école, après philosophie, gen quelques petit moun ou gen doit questionner yo sur quelques matières, quelques notions ou ta dit que ta des notions préliminaires ou ti moun yo pa konnen. Donc pour nous arriver à ça, c'est à non seulement repenser système nan, repenser programme nan yo, repenser approche yo tout. Donc c'est pas seulement retirer nombre d'années yo, parce que 13 ans li en pile par rapport à l'autre côté, mais même peut-être moun yo fait 13 ans m'a répéter, gen pile faille ki yo gen. Maintenant qu'on y a, est-ce que problème nan c'est nan 13 ans li réellement, est-ce que c'est nan approche yo? Donc faut qu'on ta questionner tout ça. Merci. Prochaine question nous participant dit ou que li pa tande parler de art. Art dans l'école en Haïti, est-ce que réforme Bernard pas prévoit ça tout? Et nous folie nous t'a parlé de question de fondement philosophique de l'éducation. Là nous t'ai dit que nan yon nan sou fondement qui c'est fondement logique là qui t'a dit qui dit que nous pas enseigner ti moun nan pour enseigner li nous enseigner ti moun nan pour mener au résultat et ti moun nan tout kan a pensé na formé faut qu'il fait corps avec culture li et là nous dit culture là nous elle a tout parce que c'est pas sans raison jodi an nous gen cours éducation artistique dans l'école yo. Gen cours musique, gen cours danse, gen cours art. Et réforme Bernard a parlé de lui, mais j'en te dis, c'est pour un bagage qui est même été testé. Et ça fait que dans l'objectif réforme Bernard, il y a ça qui prévoit, gagner qui est abouti à moitié, gagner qui est même été piloté. Merci, et professeur Waldend. Et nous avons une question pour vous. Encore? Instruction civique et morale pas fait partie encore de l'éducation élève haïtien yo. Est-ce que décision ça te prend à partir de réforme Bernard? Non, et c'est une décision qui pourra le prendre après parce que nous croyons même après réforme Bernard là Léo Tevin voit que l'école là pas fait encore lui retourner en français. Nous avons un petit livre d'instruction physique qui était écrit en français et qu'on a utilisé. OK? Maintenant, ça pour nous souligner là tout, question instruction civique, là, les pas faites, j'en te lui faites. Comme toute l'autre matière, c'était montrer à Timon des notions, apprendre des chapitres par cœur. Timon nous a réciter le son 1, il réciter 4-5 numéros leçon dans l'instruction civique là par contre si mon pas qu'on a rien qui dit dans ça qui ça il doit appliquer dans la vie dans des par relation là avec l'autre monde pour capable harmoniser rapport là avec l'autre monde. Merci. Prochaine question participant dit où combien l'école ça yo vous faire homework statistique ou combien l'école qui gagne dans Jérémy primaire secondaire qui quantité l'école public par rapport à l'école privée. Par contre, sous gain donné ça à faire. Et moins gain mais il pas dans tête moi pour le moment, mais ça qui me capable dire, gain plus l'école publique, gain plus l'école privée pardon que l'école publique. Et ministère tout pendant m'a dit ça, son gros problème, yo pas gain base de données. OK. Soit là ministère là pas bon monde cap capable dire bon document qui dit mais combien l'école publique qui gagne mais combien l'école privée qui gagne mais combien l'école primaire qui gagne fondamentale combien l'école secondaire. OK, au contraire pour Agape on te commencer font recherche comme ça et nous gagne sur un ordinateur là est disponible si pas problème après capable partager avec lui même pas gagne l'entête mais ça que nous capable souligner c'est que gagne plus l'école privée que l'école publique. OK.
Prochaine question, Patimandou. Merci pour belle présentation. Ça. Si je ne suis pas trompé, je crois que diaspora a payé et 1,50 $ sous chaque l'argent transfert qui supposait aller pour l'éducation. Est-ce qu'on a une information sous gestion l'argent ça? En principe, l'agent ça, $1,50 sont l'agent qui doit aller dans le Fonds national d'éducation, ça, le FNU. Mais récemment, moi apprends que il y a une enquête qui a mené sous l'agent ça. Et si réellement, il arrive à mener une enquête pour mener, gain en pile autorité qui était sous pouvoir là qui prend code parce que l'alliance a gain les pas aller côté il doit aller. OK. Merci. Gain un participant qui félicite vos présentations hein. Eli Diou et réforme 1979 là, c'est Bernard Joseph et non Claude Bernard. Et Lidou Kounia, après diagnostic ça, qui intervention qui pral fait pour nous corriger le système là ou bien pour remède qui est approprié dans ces circonstances ça? Est-ce qu'on clair sous question ou on vient me reprendre niveau? Il va être masqué à nous. OK, j'ai l'impression de nous faire du signal, mais nous t'en dévoir où? OK. Allô, m'te perdi ou? Ou ka ou prenne question pour moi? Oui, m'senti te gonti signal, au contraire, m'estime que nous chanceux. Oui. Une fois ça fait. Participants, félicite ou pour présentation. Hein? Et l'idou réforme 1979, là, c'est Bernard Joseph et non Claude Bernard. Et non, et c'est pas Claude Bernard. Et Kounia, après diagnostic ça, qui intervention qui pral fait pour nous corriger ce système là? Ou bien pour remède qui est approprié dans ces circonstances ça. Bon, c'est ça nous te bon, on va se poser question là, nous vous répondre dans ça nous proposer comme solution. Et ça que moi les perspectives tout dans fin intervention là. OK. Et n'a noté tout et précision hein, sur réforme là. Effectivement à un moment nous te dit Claude Bernard mais c'est Joseph. C'est Bernard Joseph. Et yo dit Joseph, c'est Bernard. Alors, en réalité, et m'kwel gen Claude comme oui. Middle c'est name. Exact. Donc, c'est Joseph, Joseph Claude, Claude Joseph Bernard. Bernard. Donc, Joseph, je vous précise. OK. Oui. Et, merci, Nadej. Et prochaine question. Hein, dans le contexte haïtien, hein, qui différence ou fait entre langue maternelle et langue officielle? Merci pour question, son pertinente question. Et on ne nous pas faire question, yo, j'en ai posé à Napoli au constat, c'est job ça n'a pas. En fait, yon langue maternelle car on langue officielle, mais on langue officielle pas forcément on langue maternelle. Et dans le cas par nous en Haïti, c'est ça lié. Et l'on parle de langue maternelle en Haïti. Jusqu'à présent, c'est sous papier lié tout. OK? L'autre dit langue officielle, c'est sous papier lié. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Lié. Et ma précise pour vous, nous avons deux langues officielles, certes. Je dis c'est français et créole. OK? Français et créole, c'est deux langues officielles. Par contre, l'on parle de langue maternelle, c'est la langue, les m'a parlé, m'a communiqué, m'a exprimé, m'a senti bien à l'aise là-dedans. Là. Et koue moun a parlé, même si moun a te parlé 5-10 langues, koue la parlé langue, on senti le pied à l'aise là-dedans, ou senti le plus approprié à Salabdi li dit avec plus facilité parce que il fait partie de la culture de chant. Merci. Et prochaine question, participant dit où? Alors, yo prend mot, yo continue dire que tu as gapé, oye. Yo prend au mot yo ma konnen travay ou parce que très actif effectivement
dans la communauté ou en matière d'éducation. Yo di, est-ce qu'on capable de faire un tirer aller sous activité que Agape a mené dans Jérémy dans causer éducation et encadrement pour jeunes? Et Agape, premier bagage il fait pour jeunes, c'est financer étudio. Ben nous dit financer étudio, li payer l'école pour yo, mais nous commencer depuis dans 7e année pour arriver dans NS4. Nous gain objectif pour nous apprendre pile en pile ti moun, mais pour le moment nous a en trentaine. Mais ti moun ça ou len prend yo, nous pas prend yo comme c'est comme ça nous rentrer dans l'école, nous prend yo, nous fait un concours. Et concours ça, c'est communauté internationale là qui choisit question dans quelque soit matière là, vous voyez. Si moun yo subi examen, là le rejoignent yo, c'est eux même qui corrigé yo voyez résultat, mais qui est-ce qui bon dans concours là. Pendant ti moun nan admis nan Agape, nous pas quitter le concert, nous encadrer le tout. Ça fait ti moun nan nous exiger yo vinn là chaque samedi pour pi grand pi maton travail avec ça qui pi faible ou bien à ça qui moins doué. De telle sorte que ti moun yo capable toujours ban nous moyenne 7 nous mandéan. Et nous mandé au moyenne 7 là pour une double raison. Première raison c'est parce que nous même nous voulons faire moyenne 7 là, nous pas financer ti don ti moun qui a joué. Et puis deuxième raison tout c'est parce que nous pas financer études universitaires yo. Et généralement l'on pral nan concours pour bourse d'études yo mandé pour faire moyenne 7. Et c'est ça qui fait tout. Nous et des timoun yo suivons une série de conférences, par exemple conférence Haïti éducation. Les gain journée mondiale là nous inviter des cadres venir travailler avec yo. Tout ça c'est pour amener timoun yo pour filer les pour yo yo capable facilement accéder à l'université. Et ça ba yo possibilité tout pour acquérir n'ta capable di yon tonne de connaissances, de compétences transversales qui pour aider yo mieux réussir examen et mieux réussir dans la vie. Et nous gain comme exemple, nous gain actuellement la dedans qui a fait maîtrise Taiwan. Nous gain qui a fait qui Boston, gain qui là aussi. OK, Daniska que nous peut-être nous connaît. Donc c'est tout ce monde sorti dans Agape. Donc c'est pas comme ça été, donc nous encadrer yo dans Agape. Et travail ça qu'a fait là, est-ce que Agape gagne une infrastructure quand même, un côté physique, côté recevoir, est-ce que nous avons accès à l'information? C'est la mi là, c'est centre Agape, c'est la mi, c'est la mi toujours sur toute conférence. Okay. Dans centre Agape, nous gagnons bureau, nous gagnons tableau, nous gagnons table, nous gagnons ordinateur, nous gagnons accès à internet, nous gagnons un réseau. Nous avons un système internet à haut débit là, en fibre optique, pour permettre de faire recherche, pour permettre de suivre conférence en ligne et tout. OK? Mais nous, c'est un embryon parce que construction bâtiment n'est pas fini. Nous avons même un tiers construction bâtiment. Parce que dans l'espace qui était pour finir construit, nous avons une bibliothèque, nous avons un cybercrime, un laboratoire informatique, nous avons un réfectoire pour Timounio. OK, nous va bien en pile bagarre là pour mettre timoun en cadre timoun yo bibi. Merci et m'a sauté sur occasion en tout et comme Haïti du action et gagner une relation privilégiée avec Agape et pour nous dire tout le monde, nous t'a souhaité prendre note de ce sous dit là, à savoir nous gagner un internet à haut débit qui permettent que jeunes yo et recevoir et faire des échanges et en ligne avec des conférenciers et de fait d'ailleurs il y a des classes que vous recevez et en ligne déjà donc il y a des cours d'anglais là chaque samedi définitivement de allemand à animer pour vous tout à fait oui. Et nous t'a profité dit compatriotes tout et soit fait ça pas gain distance pas gain sécurité pas gain rien sauf que gain un rendez-vous que pays nous bat nous dans ça. C'est-à-dire que contactez Haïti Éducation ou bien Agape directement si nous voulez,
moun ki konnen ke yo genyen des informasyon enteresan et du point de vue akademik, du point de vue sosyal, du point de vue teknolojik, tout kalite aspo ta kapran, ki ta kapab enterese de jen, et bien, et aranjman yo ap fèt et pou genyen des échanges même genre et Haïti Education pou ko fan pil, mais li fè deja particulièrement avec parents jeunes yo sou question santé spécialement sou des points bien spécifiques. Mais nous pensons que tout le monde là gagne en pile éducateur, gagne en pile monde là qui sous plateforme non et qui gagne à partager avec jeunes yo, ne serait-ce que pour établir un contact avec eux pour montrer que pas pour compte yo. Moi pense que c'est des types d'activités qui transpire solidarité et c'est solidarité qui fait mon rêver et c'est rêve qui fait un courage pour continuer goumen au lieu que diorité pour continuer. Donc gain espace, gain infrastructure pour nous reach out, pour nous rejoindre jeunes ça yo, pour nous capable ba yo partager avec yo des connaissances, des bagages que nous pensons qu'a utile yo et nous pensons que ça a fait bien à conviction nous, à parole nous et à travail que Agapé a fait. Et je voulais ajouter un petit mail sur ça, c'est que Agapé investit un petit peu tout dans le social. Nous avons fait Timounio à l'affaire social. Ok, Timounio qu'on a en prison, qu'on a dans le quartier populaire, à travailler avec tout Timoun pour le cahier matériel scolaire. Et dans la période après tremblement de terre, surtout, Agapé a fait une campagne de levée de fonds, ça a recevé à nous Théophile. À quelques monde qui peut venir à bio par exemple monde qui dans orphelinat monde qui dans quartier populaire monde qui dans asile OK nous te porter qui choy pour eux donc c'est pour me dire Agapé investir un peu dans le social. Très bien, prochaine question et participant mandé est-ce qu'on pas penser et que agriculture ta doit obligatoire dans l'école primaire? Et oui, ça m'a dit oui. Et il n'y a pas obligatoire seulement à l'école primaire. Parce que nous avons une économie qui est essentiellement agricole. C'est ça, Odini. C'est ça, apprendre. C'est ça, lien en fait. Donc, ça veut dire si nous voulons, il y a un moyen qui permet de retourner à l'indépendance économique, c'est à retourner dans le travail à la terre. Retourner dans le travail à la terre, ce n'est pas tant nous former agronome, tant nous former agent agricole. C'est depuis à l'école de base qu'on apprend ces mots ça. Et pas même dit dans l'école primaire seulement, faut en fait ta gon coup sur agriculture pour tout ti moun pour l'élève l'école yo jusqu'à terminal. Pour ta permettre yo même aussi bien examen officiel sur ça. Parfait. Prochaine question, participant félicite aux présentations et puis concernant hymne national là, l'état semblé que yo pa apprenne élève yo di l'encore tant pour ça te kon fait longtemps et avant classe yo commencer le matin. M'a dit oui et non, oui et non, oui. Dans la mesure où gen quelques l'école qui passe sur des savres. OK? Gen l'école activité ça yo pas dire grand bagaille pour m'a dit pas dire du tout pour yo. Mais par contre, l'école ka fonctionné yo, l'école nous relé l'école yo. Chaque matin obligatoirement yo fait monter drapeau et chaque jour yo fait chanter youn nan couplet hymne national yo. Très bien. Merci. Et prochaine question, participant mandé ou avec crise économique en Haïti, qui j'ont expliqué que gen plus l'école privée que l'école l'État. Qui côté par rejoindre moyen? Mais ça passe, c'est que pas bien assez l'école d'État. Le ouvre inscription, il arrive au niveau du pape cabre élève encore. Et parents obligés, malgré faible moyen économique, ils mettent timon dans l'école d'État. Dans l'école privée, pardon. OK, maintenant c'est au prix de grand sacrifice et nous te dit là tout à l'heure. C'est au prix de grand sacrifice par arriver payer l'école timoun. Mais à côté de ça tout, ONGO même si son zama double tranchant, yo rend service tout.
Par exemple, nous connaissons PEC, Vini, ils ont payé l'école pour Timoun dans l'école, mais qu'ils n'ont pas prendre toute l'école. Ils ont payé l'école. Donc, ça a aidé par an. OK? Ça a aidé par an. Donc, le fait que pas gain plus d'école privée, c'est parce que l'État pas gain moyen. Et c'est parce que tout l'État pas joué le régulateur, parce que gain de l'école qui a fonctionné. Il n'y a pas répondu à aucun homme. Il y a l'école qui a dû répondre pour fonctionner. Mais comme l'État tout, il est faible, c'est l'État qui a dû faire un service sans l'État gain moyen. Donc, c'est comme s'il fait manger son c'est des bagailles. Très bien. Et il y a un commentaire relativement long, n'a pas lu. Participant dit ou merci en pile ou présentation, hein, et puis il dit mes amis, canon grave. Et tout, on a attend l'État pendant que l'État pas existé. Qu'il en a décidé de faire action inverse. Côté n'a pas organisé nous pour nous obliger l'État à prendre responsabilité. C'est pas Timounio qui doit prendre la rue. C'est laisse ça, il y a tous les outils dans mes politiciens nous yo. Côté parents yo qui t'a dû mettre avec professeur pour défendre intérêt timoun yo. Et puis, il y a un pile professeur qui a le fait coup dans l'école privée pendant yo négliger timoun l'état yo. Depuis nous pas gain amour patriotique, conscience sociale, engagement et fierté professionnelle, n'a tourner en rond, jeunesse a perdu. C'est ton commentaire, m'a konn sou gen commentaire sous commentaire ça. Et ça me capable dit c'est que en pile fois nous gen pression nous-mêmes qui t'a dû forcer l'état réagir nous mettez nous dans minorité silencieuse. M'a pas dit minorité silencieuse, majorité silencieuse. C'est comme si tout bagarre fonctionnait mal et puis nous-mêmes nous étions comme si de rien n'était, ça pas dit rien. Mais en pile fois tout ou même on t'avait réagi mon sentiment menacé. Ou sentiment menacé avec même l'autre compatriote frère collègue ancien avant qui t'a dû prendre la ensemble avant pour manifester pendant yo avant yo même cap pour toi aller bal tel politicien qui dit c'est un tel qui dans tête manifestation. Gagne une question, nous souhaitons une réponse pour lui et sinon à consulter l'autre membre Agapeo. Participant à Mandeo, est-ce qu'on a dit nous qui secteur qui finance centre Agapea? OK. Et Agape c'est un groupe compatriote qui dans diaspora même y a campé dans nous même sur plateforme là là. Qui mettait sous pied. Et yo mettait sous pied parce que yo t'a réfléchi pour yo wè ki jan yo capable porter contribution yo à payer même si yo pas là. C'est dans sens ça yo met Agape sous pied. Yo cherchait et aide l'autre zanmi yo. C'est pas moun yo pas connait, c'est surtout zanmi yo, moun ki proche yo, yo mandé pour financer étude ti moun yo. Par exemple, et bien que ça m'a dit à la dépasser modestie ou ingénieur Bozil, et ingénieur Bozil qu'on aide en pile dans ce sens. OK? Il y a l'autre monde encore qui aide, par exemple, madame Jacqueline doit responsable pour financer tel tel timon. OK? Madame Marie Bozil responsable pour financer tel ou tel timon. Mais ça vient passer là dans moment période Covid-19 là, c'est que yo konn fè une campagne de levée de fonds aux États-Unis, mais situation pas permet yo faire. Donc, qui vient fait que nous avons une crise économique dans Agape, qui fait que la construction, j'en m'a dit tout à l'heure, les camper, il faut que j'en m'a continué. Donc, ça fait nous arriver à jouer un moyen pour fonctionner, j'en m'a dit tout à l'heure, payer l'école pour que nous fassions des bagailles. En pile fois, c'est membres blancs qui font maintenant poche en entier pour faire ça. Donc, c'est tout ça qui est capable pour nous. Sur la question financière. Merci, Walden. Et je souris parce que vous avez décrit l'histoire Agape, puis c'est comme si vous avez fait radiographie Haïti et du action. Et c'est du même au pareil. Et ces compatriotes, récemment nous-mêmes, l'un dit n'a pas fait fonds solidarité, c'est récemment, mais autrement, c'est
Haïti Éducation, c'est Mambio, parce que nous remet la loi bouche nous et nous pas gagné aucun engagement de l'autre côté. Et n'a profité dit tout le monde tout quand même et ça gagne quelques années, l'on t'a pas découvert Agapé et nous dit merci tout à Betty Dominique et Jean-Claude Dominique qui t'ont invité nous là au lever de fond que Agapé t'a fait des quelques années de cela. Et là nous t'ai voulu réagir moi-même à madame moi et ça qui t'est fasciné et qui t'a pas fait que nous rapprocher de Agapé c'est parce que nous t'ai offert une contribution et on t'a dit nous rester tendre. Il y a fait nous connaît l'heure est capable de recevoir là. Donc vous imaginez vous il pas de aucune agressivité ni pas de aucun empressement pour te prendre cob dans mon monde. Donc nous venons découvrir Agapé par la suite, nous venons découvrir structure là, nous venons découvrir travail là et nous fasciner par qualité, engagement et sérieux qui gagne en dedans et institution ça. N'a pas fait mes parenthèses là et question pour vous et puisque c'est pas Agapé qui a bail aujourd'hui, c'est directeur Agapé grand dans c'est vrai mais c'est éducateur. Question, avec corruption qui gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'on pas penser que l'état bon que diaspora a apporté support financier directement à des écoles privées qualifiées qui accréditées et régularisées mais pas à l'état. Là, je suis capable de répondre par oui ou non. Oui, dans la mesure où présentement corruption est là. Présentement, nous capables de nous pas un gouvernement. Et si nous avons un chef, c'est bon chef, nous avons fait confiance qu'on y a là, la l'argent dans même. Et si nous avons l'argent, nous pas trop sûr, la privé joigne, moun pour joindre. Mais le pays n'a pas arrêté comme ça. Tout. Le pays n'a pas arrêté comme ça. Donc ça veut dire que c'est destin payant pour tout le monde prendre en main. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'État. L'État, ce n'est pas seulement gouvernement. Dans le monde qui comprend, on a parlé de l'État, c'est ministre, c'est président. Non. Chaque citoyen fait partie de l'État. Tout. Lorsqu'on parle de l'État aujourd'hui, il y a quatre points qui entrent là-dedans. Non seulement il y a un gouvernement, il y a une population, il y a un territoire, et ou même tout, il y a une capacité pour un rapport avec l'autre État. Donc ça veut dire que nous-mêmes, citoyens, nous parlons en dehors de l'État. Donc c'est travail pour nous travailler, pour ça changer. Là, nous avons travaillé pour ça à changer, pour nous avoir un bon gouvernement, pour suspendre la corruption, bien que nous sommes capables de ne pas éliminer la 100%, mais pour nous réduire considérablement la question de la corruption dans l'appareil d'État. Et puis, le ça, diaspora est capable de faire l'État confiance, il est capable de bailler l'État directement sur le balai. Et s'il fait le constat, il est capable d'acheminer dans le champ pour acheminer l'an, parce qu'il y a peut-être mieux qu'on a besoin. Contre qui chante qui gagne urgence que nous-mêmes qui dans la diaspora, et laisse à la fête qui vient. Merci, et professeur Walden. Gagne un participant qui m'a dit préciser pour lui, la présentation, là, où tu as parlé de position l'école, S-Ouest, Nord-Sud. Expliquez-le ça. Oui, il dit que le soleil a levé à l'est, et pas ça, il couche à l'ouest. Et donc, ça veut dire, là où l'école construit dans la position S-Ouest, sous l'île levé, sous l'île couché, sous l'île. Donc, qui vient faire que position ça, l'école l'a construit, si mon nom n'est pas à l'aise là-dedans, il est toujours en bas chaleur. OK? C'est inversant que vous faites. Et l'école l'a libre construit tout de façon pour soleil là, gombo qu'il rentre là-dedans. Donc, ça, c'est. Il y a un rapport plus avec la question aspect physique dans l'école, que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Et ça que fait tout à l'heure, on te dit, ce n'est pas n'importe ingénieur qui doit construire l'école aujourd'hui. Et un ingénieur, je vais oublier, qui était présent au professeur Haïti Diaction, il te dit aujourd'hui, tout, quel que soit bâtiment à construire, il faut faire études géotechniques sur l'an. Pour garder si pas de faille, OK, en bas côté, on peut le faire, on peut le construire. Donc, est-ce que nous faisons ça dans l'école yon? Ça, c'est ton précision, c'est ton information que ingénieur Jean-Marie Dutreuil t'a partagé avec nous dans la présentation qu'il t'a fait pour nous. C'est ça. Et sous plateforme Haïti Éducation. Merci pour réponse là. Alors, soit dit en passant tout,
soleil levé à l'est couché à l'ouest en Haïti par rapport à position avec une légère inclinaison vers le sud, il passe au Ticras vers le sud. Mais ça a son détail et nous devons mettre le pour sur sortir. Merci. Et c'est pas pour l'école seulement, même pour le système de climatisation, hein. Et pour le système de climatisation et building yo même qui déjà SOS, eh bien fenêtre qui orienté vers le studio, yo doublé par wayo parce que ou gagne quand même autant de soleil qui agressif. Mais ça son l'autre détail. N'a pas entré dans fond question hein. Une question pour vous. Ça c'est moi pose au lit. Qui sont penser de conseiller lui-même dans toutes yeux d'où n'a fait à changer programme dans toute projection n'a fait sur ça que tu as dû fait qui opinion sur corps enseignant dans son ensemble qualification et engagement et autres ou passer sous lycée vrai même pose aux questions. OK. Et premièrement c'est que gen pile collègues enseignants malheureusement qui entrent dans le système là sans que yo pas passer dans un centre de formation, comme mon collègue m'a dit, sans que pas faire deux mercredis sous dans l'école pour apprendre à faire l'école. Et maintenant, faut l'État pas faire en sorte que lui mette une balise, mette un frein dans ça. Et moun qui dans le système, qui avance malheureusement, qui n'a pas d'information, pour y a la fois que tu as balle formation. Contrairement à une dans mes yeux, Nessie Maniga qui dit, pour y a chercher formation ou bien pour retirer ou même pas pour ça du tout là c'est pas eux qui mettent tête yo c'est métier ou métier là et c'est l'état qui c'est l'état nommé yo l'état nommé avec dossier yo qui montre à clair que yo pas gain profil pour enseignant maintenant c'est bar formation et l'autre bagarre tout enseignant yo tout yo doit soucieux tout pour faut continuer former tête yo parce que yon nèg ki te enseignant en 2000, m'ka pa di, jodi an, sou pa resikite ou pa mete bèt sou, c'est comme sou pa ou pa konnen rien. D'ailleurs, la connaissance n'est pas statique, elle est dynamique. Et puisque connaissance n'est pas statique, elle est dynamique, faut continuer à former tèt ou, surtout ou se moun ka bay moun formation. Et le sa tout, faut nous apprendre que former tèt nou an, c'est un devoir qui est lié. Son devoir qui est lié pour continuer à former tête. Parce que Christian Faye dit, votre diplôme a une date d'expiration. L'homme que vous n'avez pas écrit sous lui, gonle, ou vous avez un diplôme, non. Si vous pas mettre bête, vous pas continuer à recycler tête, continuer à former tête, et comme vous expirez. L'autre bagarre encore, c'est que enseignant tout, vous obligez de préparer pour faire travail là bien. Faut animer donc conscience professionnelle. Animé de conscience professionnelle qui dit que nous toujours gain souci pour me faire ça m'a fait happy bien et l'offre fait tout bas sur former tête ou animé de conscience professionnelle là qu'on y a là ou capable à demander ça ou de faire pour encore besoin et l'état tout laisse l'état doit commencer par faire ça de faire pour enseignant parce que gon condition pour enseignant pour capable travailler gens de travail. Gon problème qu'a traversé, gen des soucis moun nan gagné, c'est comme si même s'il était bon et ça la balade pas efficace, li pas balé à cœur. Et pas gagné on a fait bien si corps balade. Donc c'est tout ça m'a capable dit sous besoin éclaircissement pour soir. Pas dit très bien. La présentation fait hein et comme moi pas joindre l'autre question, m'a prendre moi-même m'a profiter et interagir avec sous sujet à la présentation on fait hein, et l'organigramme non effectivement à partir de 9e année 6e et 9e c'est des carrefours dans le système fondamental là qui permettent que jeunes yo prend et des l'alternative des routes pour capable permettre yo par exemple j'ont été mentionné et gens que lié en réalité pour apprendre un métier par exemple. La réalité pays d'Haïti, bon, nous connaissons quand même influence système éducatif français à te gagner sous système éducatif moi, jusqu'à aujourd'hui, même mentalité, tout des fois. Et sortir en dedans système scolaire, à apprendre nos métiers, il toujours, ouais, la réalité sociale là,
ou à l'apprendre un métier parce qu'on pas capable d'apprendre l'école. Qui lecture sous ça? Alors que nous vivons dans un pays qui a tellement besoin de main-d'œuvre, métier à tous les niveaux, alors que ça a arrêté en plus de absence d'infrastructure l'école qui baille formation technique et professionnelle gagne. Mais est-ce que ça a tout? De pour pas qu'à apprendre l'école, il y a fois à apprendre un métier. Son bagage, la mentalité à la vie dure, est-ce que ou au courant de un état d'esprit comme ça, qui t'a fait que jeune yo pas trop porté vers formation et métier, apprentissage métier? Oui, bien ça tout. Parce que même l'école là, son sorte de complexe. Yo apprend nous, sans peut-être que yo pas en nous compte, et société à tout. Fait nous comme ça. C'est surtout société à tout. Oui, il fait nous comme ça, il complexe nous. Yo voit que à apprendre un métier, c'est parce que ou pas fort l'école, à apprendre un métier, c'est réduire, c'est dévaloriser. Vous comprenez? Donc, qui fait que qu'on y a là, même si on pas gain compétence pour m'apprendre mathématiques, c'est ingénieur m'blini. Même si on pas doué pour chimie, m'blé un chimiste. Même si m'pas doué pour philosophie, m'vle aller faire philosophie l'école normale. Et question de orientation professionnelle là tout, c'est un manque qui gagne qui fait en pile fois ti moun a diriger vers des bagages. Non seulement socialement nous complexé, mais orientation professionnelle là tout son autre problème qui est capable dire qui vient envenimer ça. Très bien. Il fait que ti moun nan, il pas konn métier, il pas gagne konn matière, il doué pour lui. Qui côté le carré, côté le calongé, même qui s'en capa. Est-ce que vous êtes au courant de l'étape initiation technique d'aptitude professionnelle dans le système éducatif? Oui, moi, au courant de lui. Et Mabdou tout, l'étape là, et dans le programme détaillé, c'est une matière qui n'a pas de gens qui veulent mettre. Très bien. Là, c'est une matière qui n'a pas de gens qui veulent mettre. Et mon ou fait l'étape là, c'est moun et qui t'a l'apprendre et faire l'école dans CFF yo. OK, c'est eux même qui rivé faire. Et en pile fois yo faire tout, yo faire en partie parce que il t'a parlé pas seulement moun que ti moun yo planté, il pas seulement moun que ti moun yo coude, il pas seulement ti moun que ti moun yo calligraphie. Donc c'est un tout, c'est un ensemble qui est plein l'autre élément dedans. Très bien. Il pas innocent que me pose aux questions ça suite après ça parce que me pense que il y a des travail tout pour faire au niveau curriculum yo qui pour permettre tout que jeune yo décomplexer tête yo par rapport à perception pratique sociale ça que tu as fait quoi que et route et pour apprendre formation professionnelle là ça pas nécessairement veut dire que c'est l'école ou pas qu'à travailler et même tout ajouter ça pour qu'on professeur psychologie te dit mon ou pas qu'à porter un sac charbon derrière moto ou pas qu'à porter un banane derrière moto vous comprenez. C'est là, ma moto complexe, hein, oui, société a rien de nous complexer, oui. Pour le psychologue, oui. Et avant nous arriver à la fin de la question, hein, 7h57, mon dernier question pour vous. Vous avez brossé échec, comme vous avez écrit sous lui, sous réforme Bernal. Hein? Qui j'en lis nous-mêmes? Qui j'en fait lecture ça? Est-ce que c'est comme enseignant pas à la hauteur? Est-ce que c'est influence de York ou en dedans qui combattent lui, ou est-ce que c'est pratique sociale yo qui toujours jusqu'à aujourd'hui a privilégié français à partir de influence en pile francophile, parce qu'il y a plus francophile que francophone vraiment, parce que très peu là nous parler français, oui. Mais bon, et qui bon qui j'ont expliqué échec et réforme ça échec là d'abord Jean Pierre-Yves François Montréal, c'est que l'État, c'est le premier monde qui complice ça. Parce que j'en dis, l'État qui t'a doué aider pour le programme ça appliquer, c'est l'État qui vient camp en face. Mais l'autre bagaille tout, et qui peut être pral pousser l'État, freiner le programme ça, réforme, non, c'est parce que en pile, dans les grands-parents, qui te gen moyen yo, te met timoun yo l'école, yo te dit c'est gros l'école, yo te retiré ti moun yo l'école yo. Parce que yo te trouvé c'est manqué de gars pour yo prendre ti moun yo avancer yo en créole.
Et puisque moun sa yo, dit très souvent c'est moun yo qui gen moyen, les moun yo gen moyen dans quoi l'état, et m'a demandé tout si pas eux même qui t'ai forcé l'état en même temps freiner réforme Claude Bernard. Merci. 7h59 et me suppose moi respirer à un petit sourire parce que dit bon et au fil monter maintenant et c'est une très belle présentation et moi dou ça c'est un travail assez me suppose agapé arelo après pour faire compliment. En tout cas, et merci pour information yo et j'en me dédi ou li en privé aussi longtemps qu'on estime qu'il y a des sujets d'importance qu'on capable partager avec communauté on a partagé parce que en réalité nous parler de changer système l'école, nous parler de toute une série de bagailles tout le temps, mais l'op goumen contre un bagaille, il faut qu'on bien cerner dans toute subtilité pour qu'on connaisse qui soit goumen, pour qu'on qui soit voulait changer, qui s'allier, est-ce que il y a place pour venir avec ça, dit ou BVA et qui gens ça va le passer. D'autant plus que son sujet clé puisque le central éducation c'est monde c'est premier ressource pays gagné et c'est monde qui pour développer pays, c'est monde qui pour faire tout changement que nous souhaitons faire. 8 heures précises, format réunion, format présentation yo. Dernière ligne droite, la parole pour vous, tout le monde a écouté yo. C'est ça. Donc, et moi, je vais te pour moi remercier tout le monde qui t'a suivi, qui t'a attendu moi. Et je pense que vous avez informé déjà le système dans yon. Et surtout nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, qui déjà animé le désir pour nous aider, en continuer aider, ça va nous possibilité pour nous conserver des informations. Et puis pour nous, ouais tout, si n'a pas dit, si n'a pas orienté, n'a qui ça n'a pas orienté. Donc, c'est un privilège pour moi, je dis nous merci. Et nous souhaitons, Jean-Yves Mardil, nous continuer à faire tout ensemble à Haïti et Action. Merci. Et nous-mêmes, tout, nous sommes contents d'inviter vous. Et nous sommes contents, nous sommes très satisfaits. Donc, qu'un bé ferme. Et puis, bonsoir à tout le monde. Très bonne semaine. À dimanche prochain. Bonsoir. Amen.